Zamba yebi singai. Na feti ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba soufflinga, bikenda na veni Luka, na direction Birmani, derrière maison communale Yangiringiri. Ndio komuna sali wana. Yango na ye. Po ye, Nzambe akosa kate. Ponga na yebi sa Nzambe wana, so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek. Très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, du nouveau, Nilo part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est c'est que solo fait ya yoko sala ko nate ya yo ya kanangwao merci. Dieu a prévu chaque bonne chose en son temps. Pourquoi suis-je déçu dans ma vie? C'est parce que j'avais mal communiqué, j'avais mal posé les fondements, j'avais très mal commencé cette histoire amoureuse. Que l'Éternel notre Dieu nous aide. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse, n'est-ce pas, rentrer en lui-même pour chercher à savoir le pourquoi de ces déceptions dans la vie. Et notre sous-thème de ce jour, c'était la mauvaise communication. Et même la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. Communiquons bien avec nos familles, communiquons bien avec nos femmes, communiquons bien avec nos fiancés, communiquons bien avec nos collaborateurs, de sorte que demain, nous ne soyons pas déçus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Patrick Alala, d'aimer la vidéo, mais aussi de la partager, de sorte que tous ensemble, nous ne tombions plus dans ce piège de déception. Portez-vous bien et nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro. Pourquoi Ève est ignorante? C'est parce que son mari n'a pas bien communiqué. Adam l'aurait parlé d'un seul arbre. Voilà pourquoi elle a été prise. Et quand Adam arrive comme ça, elle était déçue. Il ne pouvait que suivre. Le chaos est rentré dans le monde à cause d'une mauvaise communication. Je vous ai toujours dit, même la science vous a toujours appris, que un discours indirect a toujours eu des imperfections. Donc le chaos est rentré à cause d'une mauvaise communication entre l'homme et la femme. Et sa femme. Aujourd'hui, nous entendons des gens parler d'une manière ou d'une autre. Surtout nos frères et sœurs, nous qui vivons en Occident. Ça devient une monnaie courante, tout le monde en parle. Moi, je suis déçu, je ne peux plus travailler avec la famille. La famille m'a déçu. J'ai envoyé de l'argent, des véhicules, j'ai envoyé des trucs. Ils ont mal géré et ils pensent qu'on ramasse de l'argent ici. En tout cas, j'ai changé d'avis. D'ailleurs, je ferme mon téléphone, tous mes téléphones seront fermés. Vraiment, ils m'ont déçu. Le pourquoi de nos déceptions. Je vais vraiment prendre la part de mes frères et sœurs qui sont au pays aujourd'hui. Dans la plupart des cas, dès que tu envoies les véhicules, tu envoies de l'argent, tu envoies des trucs là-bas, des fois des choses, des biens matériels, et que les gens gèrent mal, c'est parce qu'au préalable, vous aviez mal communiqué. Quelle est l'image de la vie en Occident que tu envoies à tes frères? Tu as toujours eu des photos, en train de conduire des belles voitures. Tu présentes les immeubles, tu présentes la gloire, tu présentes la facilité, tu manges bien. C'est bien, c'est une manière de communiquer. Mais lorsque ceux-ci t'appellent, tu te dis, papa, vraiment, yaya, vraiment, là-bas, c'est bien. Grand frère, en tout cas, tantine, en tout cas, là-bas, c'est comme si vous êtes au ciel. Hein.
qu'est-ce que tu leur donnes maintenant en particulier? Parce que je ne te donne pas des... Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas, de prendre des photos, de refléter la beauté, de glorifier Dieu, de prendre, de se détendre, ce n'est pas mauvais. Mais la communication, quand ils t'appellent, qu'est-ce que tu leur dis? Tu rassures à tes petits frères. Oh petit, c'est là-bas. Là-bas au pays, vraiment, avoir une voiture, c'est tout un casse-tête. Ici, c'est rien. Ici, la voiture ne représente rien. Tu peux l'avoir, tu peux en avoir autant que tu veux. Ici, tu peux attraper quel type de voiture vous voulez. Je peux même le mois prochain la changer et avoir une autre. Certes. Mais tu ne communiques pas bien. Tu ne leur dis pas dans quelles conditions tu peux changer de voiture ici. Tu ne leur dis pas que tu prends des fois à crédit. Et tu payes petit à petit. Ça peut te prendre des années. Tu communiques mal. Et ce que tu communiques, la foi vient de ce qu'on entend. C'est toi-même qui as communiqué à tes petits frères, à tes cousins, à la famille. Tu leur as dit que ici, ça ne représente rien. J'ai pu changer les vêtements, les voitures, comme je change, n'est-ce pas, les vêtements. Tu as communiqué une image quelconque de la vie en Occident, alors que tu vis le contraire, alors que tu vis le calvaire. Le pourquoi de mes déceptions, vous êtes en train d'en savoir beaucoup plus. C'est parce que nous-mêmes, nous communiquons mal. Et le courage de faire un franc parler à tes frères, de leur dire les réalités que tu traverses, de leur dire que oui, ici tu peux t'attraper quelque chose, mais à crédit. Il faut bosser pour payer. Ce n'est pas facile. Tu dois te battre. Quand tu communiques bien, et quand tu enverras le matériel, tu envoies un moyen de transport, tu dis payer, utiliser, multiplier, fructifier, de sorte que vous puissiez un peu me décharger. Tel que j'ai envoyé là, vous devez vous battre pour payer les loyers, pour répondre aux petits besoins, de sorte que je sois un peu déchargé parce qu'ici, je risque de craquer. Ce n'est pas du tout facile. Changeons notre façon de communiquer. Nous communiquons très mal. Nous donnons une image à nos familles, une image que nous ne vivons pas ici. Voilà pourquoi il y a une incompréhension. Même la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. Voilà que vous décidez de commencer des affaires. Lui a sa façon à lui de voir les choses. Il sait que le grand frère là-bas, je peux gaspiller. Il va encore en avoir. C'est facile, il m'a déjà garanti. Là-bas, il peut changer de voiture. Il peut m'envoyer une autre. Voilà pourquoi quand tu lui envoies la première voiture, tu lui as envoyé, au lieu de faire le transport comme vous vous êtes entendu, afin de te décharger, lui, il trouve un moyen pour lui, n'est-ce pas, de devenir boss. Il devient coureur de jupons. Il passe tous les week-ends dans des boîtes, dans des bars. Et après quelques mois, la voiture tombe en panne. Il s'est dit, Yaya, grand frère m'avait dit, non, il peut s'en procurer facilement. Il va envoyer une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, vous fidèles téléspectateurs de l'émission « Pourquoi suis-je déçu dans ma vie ?» Pourquoi suis-je déçu dans ma vie est une émission spéciale de notre chaîne YouTube Patrick Kalala, une chaîne d'édification, mais une émission également d'interpellation, une émission aidant les uns et les autres à savoir les différentes raisons pour lesquelles on peut être déçu dans la vie. Et cela, ça dépend d'un contexte à un autre. La présentation de cette émission, c'est toujours votre humble serviteur, l'homme de la continuité des Actes des Apôtres, le pasteur Patrick Kalala, votre humble serviteur. Et nous émettons donc depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Mes amis, aujourd'hui, parmi plusieurs raisons pouvant justifier la cause, n'est-ce pas, de nos différentes ou multiples déceptions dans la vie, la mauvaise communication est aujourd'hui choisie comme l'une des raisons pouvant justifier, n'est-ce pas, nos différentes et multiples déceptions. Pourquoi suis-je déçu de temps à autre dans ma vie? Bien aimé, on peut être déçu tout simplement parce que nous communiquons mal. Lorsqu'on communique mal, c'est tout à fait normal qu'à la longue, nous puissions nous retrouver en train de subir ce qu'on appelle par la déception. En tant qu'un homme de Dieu, moi, votre même serviteur, j'aime bien argumenter dans cette émission, toujours en se référant au livre par excellence, notre livre de recours que nous appelons la Bible. Dans la Bible, nous voyons l'Éternel notre Dieu, celui-là qui est notre Père, qui conçoit une idée, une vision merveilleuse. Il s'est dit, comme moi je règne ici sur cette terre, alors je dois créer
un autre, un représentant à moi, qui va régner et dominer sur la terre. Mais Dieu, quand il planifie de créer l'homme, il ne passe pas directement à l'acte, mais il fait asseoir les autres personnes de la divinité. Vous savez que Dieu est tripartite. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent un seul être qu'on appelle les dieux tout-puissants. C'est alors qu'il va transmettre la vision. Il communique bien avec lui-même. Il communique bien avec les personnes de la divinité. Qu'est-ce qu'il dit? Créons l'homme. Et il définit l'homme. Il dit qu'il faut que l'homme soit comme nous, qu'il soit semblable à nous, qu'il nous représente valablement. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous sommes tripartites, Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faudra que l'homme qu'on va créer soit également tripartite. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. Voyez-vous, Dieu communiquait toujours. Et après, même quand il commence à créer, il va souffler sur la poussière et puis va communiquer, n'est-ce pas, le souffle de vie à l'homme qu'il va créer. Il crée Adam en premier et Dieu lui donne la mission. Il lui communique la vision. Il dit, attention, je t'établis gérant. Tu vas gérer tout ça. Tu peux toucher à tout. Dieu communique avec l'homme qu'il veut être son représentant, son travailleur. Mais tu ne vas pas toucher à un arbre. Mais quand il parle de l'arbre au milieu du jardin, Dieu est clair, il communique très bien. Il dit, au milieu du jardin, il y a deux arbres. L'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il dit, quant à l'arbre là-bas, de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Dieu a communiqué clairement avec Adam. Et Adam est resté comme ça, on n'a pas vu de chaos. Dieu n'avait jamais été déçu. Mais la Bible dit, Adam maintenant, quand Dieu dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va lui créer une aide semblable. Lorsque l'aide d'Adam arrive, qu'on appelle Ève, Adam ne communique pas bien. Au lieu de dire exactement à Ève ce que Dieu lui avait dit, Adam communique mal. Adam lui parle juste d'un arbre au milieu du jardin qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de lui parler de deux arbres, ça dit que la communication faisait défaut. Il y avait crise des communications. C'est ce qui fera que lorsque le serpent va venir, Adam fait juste un petit déplacement, le serpent remplace. Sachant que la communication n'était pas bien faite, il s'infiltre là-bas. Il pose la question à Ève pour se rassurer, est-ce que celle-ci connaît ou bien ne s'y connaît pas du tout. Dès qu'il pose la question à Ève plutôt, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de l'arbre qui est au milieu du jardin? Lui-même, sachant qu'il y en a deux, il voulait tester si Ève avait bien compris la matière. Ève dit, il a dit qu'on ne va pas toucher à cet arbre-là. Oh, celle-ci est ignorante. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous avez des sérieux problèmes. Et vous êtes la première personne à vous plaindre en disant, ils m'ont déçu. Non, les problèmes, c'est également nous. Nous communiquons très mal. La mauvaise communication, source de certaines déceptions dans nos vies. Si l'on pouvait bien communiquer, mes amis, que cette mission, le pourquoi de nos déceptions, puisse nous interpeller tous. Voilà pourquoi je vous prie de vous abonner déjà sur notre chaîne YouTube, Patrick Alala, où ces genres d'émissions vous seront communiquées. Ces genres d'émissions sont disponibles. Abonnez-vous dès à présent. Et ne manquez pas de cliquer sur j'aime, mais aussi de partager cette vidéo pour permettre à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, de bien vouloir revenir à la raison. Pour des hommes qui se plaignent aujourd'hui à cause de leurs épouses, il y a des gens qui disent maintenant, papa, moi je me plains vraiment, je regrette d'avoir épousé cette femme. C'est une femme qui ne sait pas économiser. Elle est attirée à tout ce qui brille. Elle court derrière toutes les nouvelles voitures, les nouveaux pagnes, les modèles qui apparaissent. Elle doit sauter dessus. Et si tu ne sais pas lui donner, elle en fait tout un problème. On ne peut pas économiser. Tout ça, tu te plains. Aujourd'hui, tu te plains. C'est une déception quelque part. Mais laissez-moi vous dire, c'est vous-même qui en étiez l'auteur. Vous avez commencé mal. Vous avez très mal communiqué au début de votre relation amoureuse. Tu allais emprunter des voitures, tu allais emprunter des vêtements, tu allais emprunter de l'argent auprès des amis et pourtant tu galérais et tu as présenté le matériel, tu as présenté le confort, tu as communiqué cela. C'est ce que toi, tu as communiqué à ta femme. La femme, on l'encadre. La femme, on l'oriente. Toi, tu es le leader.
De quelle manière as-tu commencé? Quand le fondement est mauvais, ça va vous rattraper. De quelle manière as-tu communiqué? Je ne te dis pas d'être, de ne pas partager, de ne pas faire du bien, de ne pas honorer tes femmes. Non, mais il faut que tu sois capable de communiquer très bien et de lui dire la vérité dès le début. Et quand l'amour, mais c'est basé sur des idéologies, sur des convictions, un bon départ. Mais quand vous avez commencé mal, vous avez brandi le matériel, laissez-moi vous dire que ça va vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de bien vouloir culpabiliser cette femme. Ah maman, je prends votre part aujourd'hui. C'est que son mari a toujours, il n'a jamais manqué. Et tu dois te battre maintenant pour continuer. Soit, il faut rebâtir sur de nouvelles bases. Le pourquoi de mes déceptions. Communiquons bien, nous ne serons pas déçus demain. Communiquons bien aujourd'hui pour ne pas être déçus demain. Ça, c'est l'émission « Pourquoi suis-je déçu dans ma vie ?» Abonnez-vous, mes amis. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Patrick Alala pour en savoir plus et bénéficier des enseignements comme celui-ci. Des moments d'interpellation. Le pourquoi de ma déception. Pourquoi suis-je déçu dans ma vie? Oui, j'aimerais également parler aux mamans. J'aimerais parler à mes sœurs déçues aujourd'hui par rapport à leur relation amoureuse. Aujourd'hui, tu te plains. Le monsieur est un paresseux. Il ne veut pas travailler, il ne veut pas se débrouiller, il ne sait pas créer un emploi, il ne sait rien faire. Il est un gigolo. Tu te plains du phénomène gigolo? Mais c'est toi-même qui en es l'auteur. C'est toi qui as fabriqué cet homme qu'on appelle aujourd'hui gigolo. Pourquoi? Dès les débuts de votre relation amoureuse, tu avais peur, là j'étais en train d'avancer, la ménopause approche, alors je dois pas laisser passer cet homme, je dois bien le maîtriser, et pour le garder, je dois présenter le matériel. Toi-même, tu as présenté le matériel. Tu lui as facilité la tâche. Tu ne veux pas lui permettre à comprendre que dans cette relation dans laquelle il veut s'engager, il doit prendre ses responsabilités en main. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Le mariage, c'est pour les hommes faits. Le mariage, c'est pour les hommes responsables qui savent prendre leurs responsabilités en main. Mais toi, tu lui as donné une autre vision du mariage. Toi, tu lui as dit non, chérie, tu peux rester. Moi-même, je vais me battre. Et même quand tu n'avais pas, tu allais même te prostituer. Permettez-moi les termes. Tu cherchais les papas, les hommes élevés qui te faisaient la cour, les gens de ton rang, pour venir récupérer ces jeunes garçons. Aujourd'hui, tu te plains? Non, c'est toi-même. C'est toi-même qui avais mal communiqué. Dans la vie, n'aie peur de rien. Ne panique pas. Le mariage viendra. Fais un bon choix, de sorte que demain, tu ne puisses plus regretter. Donc, tu n'as qu'à supporter. Là, je parle à tous ceux qui ne se sont pas encore plongés dans ce genre d'erreur. Point vie, juste abandonné, ni sa postérité mondiale. Sans pain. Je ne point vie, juste abandonné, ni sa postérité mondiale. Sans pain. Et l'homme habite malanga, Yesway, les candies.
tambola na yo mbayo kisa makaso ni te aya mbatela yo motema batuti samate na mabwa kwa mongona kasi na nyango aya na milelo na ye azongana.